Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui je fais un nouveau truc. C'est la première fois que je vais tester de l'huile céramique. Donc qui m'a envoyé tous ces produits là? C'est la marque Xenom, vous savez ils sont passés au garage, ils en ont profité pour me laisser des produits tout simplement en test. Lors de ces vidéos vous verrez apparaître des produits Xenom, je ne suis pas rémunéré, je tiens à le préciser, c'est uniquement des tests produits. J'ai uniquement eu les produits gratuits pour effectuer ces différents tests. Je tiens à le préciser parce que c'est très important. C'est une première pour moi de tester les produits. Je ne les ai pas encore testés. Donc, je ne vais pas tout simplement prendre de point de vue. Donc, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est nul. Tout simplement parce que là, c'est une vidéo tutoriel où j'intègre des tests produits mais où je n'ai pas encore le retour. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va tout simplement s'attaquer à la vidange moteur de la Audi R8. Moteur en carter sec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'huile n'est pas contenue dans le carter sec comme 95 voire 99% des véhicules, mais qui est contenue dans réservoir. Et donc c'est un petit peu plus complexe à vidanger parce qu'on doit vidanger le reste qui peut se trouver dans le carter, qui est un fond plat, ce qui permet d'abaisser le moteur et d'abaisser le centre de gravité du véhicule. Et on va devoir vidanger un autre réservoir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà fait cette manipulation sur la Maserati que j'avais, qui était également en carter sec. Sinon vous retrouvez ce type de carter, donc ce type de vidange, sur quasi 99% des supercars, mais vous ne le retrouverez pas sur des véhicules type lambda. Donc tout ça on va le voir après. Aujourd'hui on va tout simplement passer la R8 sur une huile dite blanche, donc c'est tout simplement une huile céramique qui du coup est blanche, avec des grades, vous le voyez, qui ne sont pas habituels, puisque là c'est de la 7,5-40. Donc en fait, sur les huiles blanches, on a différents grades qui correspondent à d'autres grades qu'on peut avoir sur de l'huile standard. La 7,5-40, par exemple, va plutôt correspondre à une 10,50, voire une 10,60 sur une huile type basique. Donc là, on est vraiment adapté sur le véhicule. Je rappelle que sur ce véhicule-là, bon, on peut quasi tout mettre, hein, ça dépend vraiment les constructeurs. Enfin les constructeurs, les enseignes. J'ai déjà vu de la 530, chose que je déconseille parce que le moteur en position centrale arrière et que c'est un moteur qui prend quand même 110 degrés en température d'huile constante. On y voit de la 540 qui est pour moi le minimum à mettre dans ce type de voiture là. Et moi je conseillerais, et ce que maintenant beaucoup de centres Audi font, de mettre de la 1050 ou de la 1060 qui va tout simplement avoir une meilleure résistance à chaud. Étant donné que le moteur est positionné en position centrale arrière et qui chauffe extrêmement, je rappelle, 110 degrés, 110 degrés température d'huile constante en roulant normal. Voilà, pour moi il est très important de ne pas négliger l'huile, c'est pour ça qu'on passe sur de la 7,5-40 en céramique. Maintenant, je le dis, je le répète, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais testé, donc dans 2000 km, je vous ferai cette fois-ci une vidéo vraiment dédiée au test produit en vous disant mon ressenti, qu'est-ce que j'ai remarqué, qu'est-ce que j'ai pas remarqué, etc. Pour l'instant, c'est uniquement un tuto mécanique avec l'intégration de nouveaux produits que je dois passer par là pour les tester. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un additif ou quoi que ce soit, c'est également de la marque Xenom. C'est tout simplement un nettoyant d'huile, un nettoyant moteur, interne du moteur, pour pouvoir passer sur de l'huile céramique. On peut comparer un petit peu ce produit-là à l'Engine Flush que nous on a déjà sur la boutique www.mylittlegarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube où on référence les meilleurs produits qu'on teste. Mais ce produit-là est sans solvant. Donc en fait, on va surtout l'utiliser pour passer d'une huile standard à une huile céramique parce que, encore une fois, je suis les conseils du fabricant. Il semblerait que nous devions, pour améliorer l'efficacité, faire un nettoyage après vidange et surtout avec un produit qui est sans solvant. Donc du coup, Xenom m'a tout simplement fourni celui qui fabrique, qui est tout simplement du coup un nettoyant après vidange sans solvant. Vous l'avez compris. Ce qui va pouvoir nous permettre de nettoyer l'intégralité du moteur avant de vidanger et de passer sur une huile céramique. Comment on va utiliser ce produit-là? On va le mettre dans le véhicule. On va tout simplement laisser tourner 15 minutes le véhicule au ralenti, comme ça il va monter en température, etc. avant de vidanger et de procéder normalement à une vidange. Bien évidemment, on a le filtre à huile. Alors j'ai pris Bosch, pourquoi? Parce que c'est le seul que j'ai trouvé pour la Audi R8.
Et là, vous voyez, j'ai deux petits tampons. Alors ça, c'est vraiment dédié à Audi et surtout à Audi R8. En fait, la R8, vous n'avez pas de point de levage pour un pont comme j'ai. Il va vous falloir obligatoirement un pont avec des bras que vous allez pouvoir glisser sous le véhicule parce que les points de levage sont vraiment au centre du véhicule. Si vous avez un pont comme moi, bah Audi a tout pensé. Ils ont fabriqué des petites cales qui viennent se mettre dans le châssis et qui vont lever au point d'équilibre le véhicule. Donc ça, je vais vous montrer lors du tuto et on va devoir caler, alors avec du polystyrène ou avec du carton, n'importe ce que vous voulez, le véhicule pour simplement éviter qu'il tangue comme ça lorsqu'on va travailler. Il n'y aura bien évidemment pas de poids à supporter puisque ça, c'est le point d'équilibre du véhicule. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Vous n'avez ni de poids à l'avant ni de poids à l'arrière, mais c'est juste pour éviter qu'elle puisse naviguer comme ça sur le pont si on a des écrous ou autres à démonter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que je vous ai passé en revue un petit peu ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et les amis, je vous propose tout simplement de passer à la première étape, donc la mise en place du nettoyant après vidange. Donc on va mettre ça dans le véhicule, on va laisser tourner 15 minutes. Ensuite, on va démarrer le poêle parce qu'il caille à mort. Et puis, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet, la vidange et le passage en huile blanche pour un petit test. Allez, go! Bon, comme je vous disais, étant donné qu'on est sur un carter sec, donc le bouchon de remplissage d'huile n'est pas sur le moteur, vu que l'huile n'est pas contenue dans le moteur, mais dans un bocal séparé. Donc l'huile, enfin le bouchon est sur un bocal séparé. Alors, hop! Voilà. Là, on va tout simplement donc mettre le M-Flush. C'est comme ça que ça s'appelle chez Xenom, qui, je le rappelle, est un nettoyant après vidange qui est quasi obligatoire pour passer sur de l'huile céramique. Donc là, j'en mets deux. Pourquoi? Parce que c'est 3 à 6 litres. Et sur l'Audi R8, on a pile 10 litres d'huile. Donc du coup, bah, je vais tout simplement en mettre 2. Parce que 6 et 6, 12. Et 3 et 3, 6. Donc en fait, on devrait être bon. Donc hop, c'est parti. Je les débouche, je viens tout simplement insérer. Le produit, et maintenant on va laisser démarrer 15 minutes. Donc c'est 10 à 20 minutes. Moteur au ralenti, hein, c'est comme le engine flush du coup. Vu que vous allez dégrader votre huile, ça paraît logique qu'on ne va surtout pas rouler avec ça dans le moteur. Sinon vous allez simplement dégrader votre moteur. Donc au ralenti, on laisse tourner 5 à 10 minutes, enfin 10 à 20 minutes autant pour moi, donc pour ma part ce sera entre les deux 15 minutes. Sachant que le moteur est vraiment froid parce que là il caille, il faisait moins 5 cette nuit et dans le garage il fait 0. On va laisser tout simplement monter en température convenablement. Bon voilà les amis, on a atteint les 15 minutes, donc maintenant on va aller couper le moteur et lever le véhicule. Bon les amis, on se retrouve pour lever la Audi R8. Alors c'est peut-être l'étape la plus complexe à faire de cette vidange. En fait, vous voyez, l'Audi est vraiment très très basse. Les fameux plots que j'ai achetés donc se mettent ici. Alors je vais vous mettre un peu de lumière. Vous avez, voilà, vous les voyez, ils rentrent dans la carrosserie. Vous voyez, j'ai 1,5 cm à peu près pour passer quelque chose ici. Donc le point d'équilibre d'après Audi se trouverait ici. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de poids ici ou là-bas, mais un risque de basculement quand même de la voiture. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des cales en nylon, je sais pas si vous les voyez au fond là-bas, pour tout simplement éviter que la voiture puisse basculer légèrement comme ça. Donc même si on parle que 2 cm, bon, ce serait dommage de l'abîmer. Et ici, on n'a que très très peu d'espace. Donc j'ai essayé de mettre les plus petites cales que j'avais, mais finalement, bah ça passe pas. Donc j'ai tout simplement plié un carton en 4 que j'ai mis donc à l'avant pour éviter la bascule, ou du moins si elle bascule d'un centimètre, éviter de marquer les bas de caisse qui sont en plastique. Donc j'ai fait bien évidemment la même chose de l'autre côté. Donc là vous voyez le plot qui se trouve ici, alors là je suis pas sûr que vous voyez au fond, et mon bout de carton ici. Donc maintenant on va tout simplement lever tranquillement, gentiment l'Audi et surveiller, vu que c'est la première fois que je la lève. Après peut-être que je vais trouver de meilleures choses, ou tout simplement acheter des cales plus adaptées pour glisser dessus et dessous. Mais pour ça, il faut que je prenne les mesures. Allez, c'est parti. Bon,
On se retrouve pour la première levée. Alors ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé. Je cherche ma lumière pour vous montrer un petit peu. Hop, je l'ai là. Donc en fait, déjà l'avantage de l'Audi R8, c'est simplement qu'elle est basse et donc on peut la lever beaucoup. Donc là, je peux encore lever 60 cm. Et là, je suis déjà pas mal du tout. J'ai pas levé plus le temps de contrôler tout simplement mes cales. Alors, je sais pas si vous la voyez, la cale en nylon, hop, qui est juste là. Donc, je vais vérifier. Elle pose, mais elle pose pas dur. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Ma cale ici se comporte bien. Et là, mon morceau de carton. Alors, hop, je vous pose ici. Mon morceau de carton, lui, est bien plaqué. Donc, en fait, ça fait pile. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de poids, hein, mais ça évite tout simplement que ça qui est en plastique vienne toucher le métal au risque de le marquer ici. Et ça évite que la voiture puisse naviguer le petit centimètre avant-arrière. Donc voilà, je suis peut-être trop prévoyant, mais je préfère en faire plus que pas assez. On va contrôler ici comment ça se passe. Pareil, donc là on est bien posé. On voit bien que le plastique ici ne touche pas, hein. C'est bien ça qu'il faut faire attention. Et vous voyez, elle a déjà été levée ici. On voit que le plastique est un petit peu abîmé, les gens. On a dû penser qu'ils pouvaient mettre un tampon en caoutchouc peut-être dessous et du coup elle n'a pas aimé du tout. Et là à l'inverse, ici elle ne pose pas du tout, vous voyez. Comme quoi il n'y a vraiment pas beaucoup de poids, le carton ici pose. Donc c'est peut-être juste mon faux niveau au niveau du pont, étant donné que la voiture est extrêmement basse, qui fait que d'un côté ça touche mais pas de l'autre. Donc déjà elle est bien calée, on n'a pas de risque de l'abîmer, maintenant on va pouvoir regarder ce qui s'y passe en dessous. Bon les amis, je viens de passer sous la voiture avant de vous prendre en caméra portative et je suis dépité. Alors on va commencer par les bonnes choses, hein, c'est que le dessous de la voiture est impeccable. Je n'ai rien à dire, elle n'a pas frotté, elle n'a pas de traces de choc, elle a rien du tout, du tout, du tout. Et c'est sur des choses très simples que je suis énervé. Cette voiture a été intégralement suivie dans le réseau Audi Porsche en Allemagne. J'ai le carnet qui est tamponné, j'ai les factures, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Et ben vous allez voir ce qui a été fait pour une simple vidange, c'est déprimant. Sincèrement, comme quoi là vous êtes quand même sur des supercars. Donc encore une fois, je ne dénigre pas les garages et heureusement ils ne sont pas tous comme ça, il y a quand même des passionnés. Mais même sur des supercars comme ça avec des vidanges qui sont facturées un prix astronomique, où seuls certains garages sont agréés R8 pour travailler sur les supercars de chez Audi, pour au final vous faire ce qu'ils ont fait là. Regardez, venez avec moi, je vais vous montrer. Alors comme je vous expliquais, c'est un carter sec, donc qui est un plat qui ne contient pas ou que très peu d'huile, avec un réservoir annexe qui est quelque part par là qui contient l'huile. Donc on va devoir retirer le fond plat qui se trouve ici. Alors avant, je voulais vous montrer quand même cette magnifique soupe de pâte à joint. Donc là on peut voir qu'ils ont mis une belle pâte à joint, qu'ils ont démonté le bouchon avec un burin, parce que vous avez des traces de burin ici. Donc ils ont même pas pris soin de remplacer la tête de vis, hein. Voilà. Ici on a une vis qui semble propre mais bourrée de pâte à joint également. D'accord, c'est pas celle-là le pire. Non, le pire c'est celle-ci. Devait certainement y avoir une fuite, du coup bah ils ont mis un kilomètre de pâte à joint, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, c'est un kilomètre de pâte à joint. Regardez-moi ce travail dégueulasse qui a été fait. Alors là, je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur, parce que quand je vois le pâté de pâte à joint qu'il y a ici, je me dis, est-ce qu'ils auraient pas fissuré le carter ici? Je ne sais pas, quand je vois ici qu'ils ont utilisé quand même un burin pour dévisser la vis, j'ai peur de ne pas pouvoir la retirer. Donc je vous cache pas que là tout de suite maintenant je suis pas des plus sereins. Parce que je me dis, si je démonte et que je me retrouve à devoir racheter un carter, la voiture est immobilisée. Mais c'est totalement une honte de... Donc voilà un peu le carnage. Donc les amis, on va démonter ça. Et puis on va voir avant d'aller plus loin, hein, on va déjà essayer de déboulonner celui-là. Donc on a trois vis de vidange, là, là et là. Ensuite on retire le fond plat ici et on doit avoir le réservoir qui doit se cacher quelque part par là. Donc on va faire de la place, on va démonter les caches. Après on va s'attaquer aux vis de vidange qui me font relativement peur, je vous l'accorde. Et puis ensuite bah, on va passer à ce qu'on pourra faire ou pas faire.
Bon voilà les amis, on a retiré le cache, ce qui nous donne accès à la boîte et au bloc moteur ici. Alors l'avantage déjà, c'est qu'on a absolument pas de traces de gras, donc on a vraiment pas de fuite ni rien. On a des traces de démontage du bouchon, donc du réservoir d'huile ici, donc ça veut dire que les vidanges ont quand même correctement été faites malgré ce qu'on peut voir de dégueulasse ici. J'espère que le carter n'a vraiment rien. On a un petit peu de rouille sur la sphère ici et un petit peu de rouille sur le carter de démarreur. Sinon le reste c'est parfaitement propre, le châssis est nickel etc. Donc ça par contre c'est vraiment un très 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 bon point, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir des surprises qui se cachent sous tous ces caches, un châssis tordu, un voile, une marque d'accident ou quoi que ce soit. Non, là on a vraiment rien, c'est propre, le bloc moteur est même très très propre. Alors là c'est assez sombre, vous allez mieux voir tout à l'heure. Je vous dis, on a ça, on va mettre un petit convertisseur de rouille pour tout simplement stopper. Pareil sur le démarreur et ce sera parfait. Donc moi les amis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement retirer le mastic ici, voir tout de suite s'il y a casse du carter ou si c'est juste des gros porcs qui ont mis ça pour éviter que ça fuit parce qu'ils ont eu la flemme de remplacer le joint. Pour l'instant la réponse je ne l'ai pas, et avant de tout démonter je veux être sûr de ce qui a été fait pour pas me retrouver avec de l'huile plein le garage ou avec un véhicule immobilisé si jamais il y a du délai pour avoir cette pièce là qui à mon avis va coûter extrêmement cher. Donc les amis, c'est parti, on attaque. Là les amis, je dois vous avouer que je comprends pas. En fait ils ont mis ça, toute cette merde de pâte avec de la filasse, c'est tout un amas, je sais pas si vous voyez bien avec l'escalade, j'ai vraiment le contre-jour. C'est de la pâte à joint avec de la filasse, avec un truc, on pense vraiment à une tentative de réparation d'un carter défectueux. Et le carter n'a rien, absolument rien du tout. Le bouchon est comme neuf. Donc le bouchon c'est le seul qui a été changé de tous les bouchons, c'est à dire que le bouchon est neuf hein. Je vous mens pas, regardez il est tout neuf, contrairement à ceux là qui sont vraiment tout pourris. Le bouchon est neuf et il a un beau joint en cuivre. Alors là franchement j'ai pas la réponse de ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas c'est vraiment un travail dégueulasse. Alors j'espère juste qu'ils ont pas abîmé le filetage du carter. Et dans ces cas-là, ils auraient foutu de la filasse de plomberie dessus et ensuite du joint d'étanchéité autour. Mais alors là, ça veut dire qu'ils ont franchement laissé le stagiaire faire ça, parce que là, je vois pas comment on peut faire ça. Donc, on va continuer le démontage et puis on verra la surprise du chef. Bon, là, je démonte la traverse ici, ce qui nous permet de pouvoir accéder plus facilement au bouchon là. Et je vous reprends en caméra parce que nombreuses R8 ont le cache ici cassé. Parce qu'en fait le cache est vraiment intégral, le deuxième cache est intégral. Sauf que vous voyez quand il est sur le pont vous pouvez pas le démonter, parce qu'en fait il est bloqué là-bas, voilà, il y a des vis qui ne sont pas accessibles. Et donc en fait, ça c'est un problème qu'on retrouve sur 90% des Audi. Ils se sont pas fait chier à l'atelier, ils ont cassé ici le carter au niveau de la vis, ce qui leur permet de faire ça et d'accéder à la vis. Alors je vous l'accorde, petite panne de batterie, je vous l'accorde, c'est pas très professionnel. Mais en même temps, c'est tellement chiant de tout devoir démonter que, honnêtement, je peux accepter. J'ai la lampe qui vient tarée. Je peux accepter qu'ils aient fait ça à partir du moment où c'est fait proprement sur la vis, ce qui fait que quand on remet la vis, ça ne pose plus de problème. Là, en l'occurrence. Bon, moi, je continue à démonter ici pour pouvoir y accéder. Et puis, on se retrouve pour la vidange. Bon, voilà, les amis, on va se retrouver pour la vidange du carter avec les trois vis. Une, deux, trois. Audi n'ont pas été trop bêtes, ils ont facilité quand même le travail des garages, ils ont mis des petites flèches. Donc si vous vous trompez, là je peux plus rien faire pour vous. Il y a le couple de serrage qui est indiqué ici 10 newtons. Donc encore une fois, si vous vous trompez, je peux rien faire pour vous hein. C'est pas plus compliqué qu'une voiture normale, si ce n'est que c'est un carter humide. Sur beaucoup de forums, on parle de clés BTR. Ce n'est pas des clés BTR, ce type de clé avec des cannelures, je n'ai plus le nom exact en tête. Si vous n'avez pas ça, tout simplement, vous risquez de foirer la vis. Donc je vous déconseille fortement de le faire avec autre chose. Moi je prends une petite clé de 10, je vais venir la choquer. Alors je vous avoue que je stresse un petit peu quand je vois l'état de la pâte à joint etc. qu'ils ont mis. J'ai vraiment peur d'avoir un filetage mort ou quoi que ce soit. Pour gagner en praticité, je vais tout simplement changer pour une clé plate à cliquer. J'ai mis le bidon sur un bidon, c'est le cas de le dire, pour éviter les éclaboussures. Et effectivement je pense que le problème c'est qu'ils ont foiré le carter, parce que la vis c'est extrêmement dur à défaire. Donc là il va falloir qu'on regarde un petit peu
Quelle boulette ils ont fait. Alors là, ça risque de partir sur le côté. Alors. Bon, maintenant on va essayer de s'attaquer à celle-là qui s'est pris quelques coups de burin. Alors là, bon, je vous laisse deviner, hein. Les dents sont totalement mortes, alors j'ai clairement peur de ne pas pouvoir la défaire. Si, c'est bon. Alors là, malheureusement, celle-ci, je pourrais pas la changer parce que je ne vais pas avoir la vis. Je ne vais pas avoir la vis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la remonter. Alors certains vont dire, ouais, pourquoi tu la commandes pas? Bah, parce qu'on est en semaine, que je ne sais pas où la commander, il faut que j'aille chez Audi, que je vais mettre une semaine à la retrouver et que de toute façon, j'ai une solution qui ne sera pas plus médiocre que la leur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais remonter. Je vais déjà nettoyer, qu'on voit un petit peu sur l'établi si on peut la resserrer. Ensuite, je vais monter 2-3 filets de téflon comme j'ai l'habitude de faire pour les vis qui sont pas très très étanches. Et on va tout simplement pas la serrer parce que 10 newtons, il faut savoir que ce n'est pas serré. 10 newtons, c'est vraiment un couple très faible. Là, si je force comme ça pour les desserrer, c'est très clairement qu'elles ont plutôt 30-35 newtons. Donc en fait, on va la serrer au couple avec du téflon et on sera pas du tout embêté pour le prochain démontage. Et ça me laissera tout simplement le temps de la commander. Là, la petite complexité, c'est ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ma vis, enfin mon embout, eh ben, ne rentre pas dedans. Donc là, bah, j'ai pas le choix. Il va falloir que je coupe mon embout pour pouvoir l'adapter à ce carter-là. Alors cette pièce-là, ce petit embout, est vendu chez Audi. Mais je vous laisse deviner qu'ils vont vous vendre ça. Qui vont vous vendre ça une fortune. Donc moi, je vais pas payer une fortune. Je vais mettre un coup de disqueuse pour qu'il rentre dedans. Et je me le garderai pour les Audi R8. Bon voilà, on se retrouve avec mon petit outil coupé, donc la douille coupée, qui je rappelle reste toujours utilisable parce qu'elle rentre dedans. Bon, elle aura certes moins de résistance, je vous l'accorde, mais au moins elle pourra vidanger de la Audi R8. Le set complet m'a coûté 22,50€ chez Noroto, hein. Je ne fais pas de pub, je l'ai payé. C'est juste pour vous indiquer qu'un petit truc comme ça a dû me coûter en gros 3€ à fabriquer. Alors que je ne sais pas combien coûte la clé exprès qu'ils vendent chez Audi, mais j'ai comme un pressentiment qu'elle va être nettement plus chère que ce que je vous ai annoncé là. Donc là, on la met dedans. Oh, quand je vous dis que là on est nettement au-dessus de 10 newtons comme devrait l'être, je vous mens pas. Ça y est. Ouf. Bon voilà, maintenant je vais terminer avec une clé Béter que j'ai au préalable coupée. Une vieille clé qui m'a servi, pour être honnête avec vous, à monter des jouets des enfants. Mais qui est parfait pour terminer le dévissage. Parce que sinon, vu que la vis va reculer, je vais taper mon embout dedans et je ne pourrai plus avancer. Donc là, je m'en sers tout simplement pour terminer. Voilà. Et maintenant, la dernière. Bon, et bien les amis, maintenant il nous reste la dernière vis, celle tout simplement du bocal à huile. Donc là, on a toute la réserve d'huile. Ça part ici dans des pompes d'huile qui vont tout simplement lubrifier le moteur ensuite. Donc là, c'est parti. Hop. Oh, c'est extrêmement bien serré. Ah, voilà. Donc là, c'est là où devrait couler le plus d'huile. Donc je vais vous reculer un petit peu. Voilà, en espérant que vous voyez toujours. Voilà. Et bien écoutez, moi les amis, je vais laisser ça couler 3 heures pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de gouttes. Pourquoi je suis aussi long? Bah tout simplement parce qu'on va changer d'huile, on va passer sur une huile blanche. Donc moins il restera de l'huile entre guillemets normale et mieux ça sera pour le changement. Donc les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on retrouve nos trois vis de vidange. Donc moi je vais les remonter avec un petit peu de téflon autour comme j'ai l'habitude de faire pour éviter les suintements.
et je vais leur mettre des nouveaux joints. Donc là, c'est des joints en aluminium et pas en cuivre, hein, mais c'est le même principe. Je vous donne un petit peu l'état de celui qui faisait peur au début. Alors en fait, non, le filetage, ce que je pensais être des morceaux de filetage du carter, sont en fait un espèce de colle. En fait, ils ont mis de la filasse de plomberie dedans, vous voyez. Là, vous voyez bien, pour ça que je vous le filme. Ça, c'est de la filasse qu'on utilise dans la plomberie de maison. C'est même pas du téflon. Vous voyez, ça fait du petit fil comme ça. Alors, c'est pour ça que le filet était extrêmement dur à retirer. C'est un carnage. Ils ont mis de la filasse plus un joint en cuivre. Vous voyez ici. Bon, joint en cuivre qui est totalement mort, que je vais également remplacer. Mais c'est un carnage. Et le tout avec de la pâte à joint autour, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Franchement, c'est... Donc moi, je vais tout nettoyer, je vais remettre des joints propres et je vais remettre un petit tour de téflon sur les filets et on va remonter tout ça propre pour terminer. Voilà les amis, maintenant que ça a totalement terminé de s'écouler au niveau des 4 bouchons de vidange, on va pouvoir tout simplement remettre les bouchons. Pour ce faire, j'ai changé les joints donc en cuivre sur chacune des vis et j'y ai ajouté, comme j'ai l'habitude de le faire, un petit peu de téflon, ce qui évite tout simplement les possibles suintements avec de l'huile très chaude. Donc là, on va revisser le tout, voilà, ce qui va nous permettre de faire un petit peu de place et d'y voir plus clair. On va également en profiter pour dégraisser les endroits où aurait pu suinter un petit peu d'huile au démontage. Bon, et bien voilà, vous avez vu, ça a fini de s'écouler à quelques petites gouttes près. Donc là, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu de téflon. Bon, ben, je revisse tout ça, on dégraisse et on passe au remplissage. Mais avant, on passera au remplacement. Bon, et bien les amis, maintenant qu'on a terminé la vidange, qu'on a remonté les bouchons, qu'on a remonté le dessous du véhicule, et ben on peut tout simplement passer au remplacement du filtre à huile. Filtre à huile qui se trouve sous le cache ici par une douille, je crois, de 32. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Alors malheureusement, ça va être compliqué pour moi de vous filmer en détail. Je pense que là, vous devez l'apercevoir ici. Donc c'est une simple cloche, il vient par-dessus. Donc vu qu'il vient par-dessus, on n'est pas obligé tout simplement de le faire avant de vidanger, parce que certains vont me poser la question. Là, il est forcément en train de s'écouler vers le bas, donc lui, il est forcément retenu dans le carter, donc pas de souci, on peut le faire après, avant la remise en huile, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voici le filtre à huile qu'on va remplacer tout de suite. Donc là, on voit bien que la vidange était vraiment pas vieille, hein. Le filtre est à peine coloré par l'huile, il est encore un petit peu blanchâtre. L'huile est extrêmement propre, hein, vous le voyez ici. Donc là, l'huile est censée avoir 2800 km. Donc là, j'ai aucun doute sur le fait que ça a bien été fait. Bon, et bien là, vous commencez à me connaître. On va dans un premier temps remplacer le joint de pourtour. Donc on met en place le nouveau joint qu'il faudra absolument lubrifier. Alors, quand j'entends lubrifier, c'est pas mettre 3 tonnes d'huile. Mais on prend de l'huile qu'on va mettre. Donc là, en l'occurrence, de l'huile blanche, du coup, elle est blanche. Et on vient tout simplement mettre une petite goutte autour pour faciliter l'insertion, éviter que le joint se coupe et faciliter le démontage. Sur le nouveau filtre, on a un petit joint torique au bout. Donc là, pareil, on vient le lubrifier avec un peu d'huile pour éviter qu'il se retourne ou qu'il se casse. Et quand vous avez un téton comme ça sur votre filtre, il faudra en priorité d'abord mettre le filtre avant d'insérer la cloche. Sinon, vous pouvez tout simplement ne pas mettre ça en face du trou dans le moteur, au risque de casser ça et de ne pas avoir de pression d'huile et donc d'abîmer votre moteur. Donc si vous avez un détrompeur, obligatoirement il faudra commencer par le mettre. Voilà, donc là on vient pas serrer. Dès qu'on arrive au bout, on contrôle bien que la cloche est bien mise. Donc elle est bien au contact de l'autre partie en plastique. Et c'est tout. Maintenant on va pouvoir repasser à la mise en huile. Vous l'avez compris, pour la mise en huile, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul bouchon. Donc là, il y va, 10 litres d'huile, c'est la recommandation constructeur.
j'ai vu deux types de façons de faire sur la RTA. C'est-à-dire, il y en a un où on met 10 litres d'huile, on démarre, une fois que le moteur est chaud, on vient tout simplement contrôler à l'arrêt, parce que c'est un carter sec, que le niveau d'huile est bon. Le niveau d'huile doit se trouver... Alors en fait, la burée d'huile est un petit peu différente sur ce moteur-là, je vous montre tout de suite. Vous avez la jauge ici, et ici vous avez ne pas rajouter. Donc en fait, la jauge fait tout ça. Ici vous êtes au minimum, ici vous êtes bien, et là vous en avez de trop. Donc en fait, il y a deux méthodes, je vous explique. Il y a la première, où vous mettez 10 litres d'huile, parce que de toute façon le constructeur dit que c'est 10 litres d'huile, et donc vous faites bête et bateau, vous mettez 10 litres, techniquement vous êtes bon. Ou alors il y a la méthode où vous mettez 8 litres d'huile, vous démarrez, vous faites chauffer le moteur, vous contrôlez le niveau et vous rajoutez en fonction de ce qui manque, sachant qu'entre le minimum et le maximum, il va 1,5 litres selon la revue technique. Donc moi je ne vais pas faire le bête et bateau parce que ça se trouve il reste 100 ou 200 ml d'huile qui se promène dans le moteur, je ne connais pas l'architecture de ce moteur là. Donc je vais y mettre 9 litres et au bout de 9 litres je vais tout simplement contrôler moteur chaud etc. mon bon niveau d'huile et j'en rajouterai si nécessaire, sachant qu'il y a à peu près 1,5 litre entre les deux et que je suis sûr qu'il ne reste pas 1,5 litre dedans, je vais mettre 9 litres. C'est parti. Alors là, ça va être de l'huile blanche, hein, donc regardez un petit peu, ça fait extrêmement bizarre de mettre ce type de choses dans le moteur. C'est vraiment contre-naturel, je trouve, ça fait vraiment étrange. Ah, vous voyez, ça fait... Waouh. C'est la première fois, encore une fois, hein, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Je n'ai jamais testé ce type d'huile là, c'est un test. Si c'est excellent, bien évidemment que ça verra le jour sur la boutique, malgré que ce soit cher, encore une fois, hein, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc notre principe c'est que si c'est bien, on l'ajoute. Maintenant, pour savoir si c'est bien, il faut l'essayer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi je vous referai une vidéo dans 2000-2500 km pour vraiment pouvoir vous donner un avis objectif sur la chose. Et bien écoutez, j'ajoute mes 9 litres d'huile. Et puis nous les amis, on va se retrouver pour la mise à niveau. Ouais bien les amis, maintenant qu'on a remonté le véhicule, qu'on a mis 9 litres d'huile, et ben il suffit tout simplement de démarrer, de laisser monter le moteur à température de fonctionnement, donc aux alentours de 90-100 degrés. Là, 90 degrés, même 80 suffirait largement parce que 100 c'est vraiment une température en fonctionnement du véhicule, mais c'est pas une température idéale pour l'huile. Là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la dilatation des volumes. Donc en fait, l'huile prend plus de place à chaud qu'à froid. C'est pour ça qu'il faut faire tourner le moteur pour contrôler le niveau sur un carter humide. Sec, autant pour moi, sur un carter sec. Donc c'est parti, on démarre, on laisse chauffer et on se retrouve pour le niveau. Bon, et bien maintenant que le moteur est à température de fonctionnement, je viens de le couper. On va tout simplement tirer la burette d'huile qu'on va essuyer et remettre pour avoir le bon niveau. Alors là, le gros avantage, c'est que d'habitude avec de l'huile neuve, on ne trouve pas le niveau. Là, avec de l'huile blanche, ça risque d'être beaucoup plus facile. Voilà, donc là, en l'occurrence, il faut que j'en rajoute, j'en ai pas assez. Et finalement, les 10 litres vont y aller et je serai du coup dans la bonne plage. Hop, on y met tout. Oh. Et là, on se trouve bien, vous le voyez, ici. Donc là, on est dans la partie qui est bonne. La partie qui est bonne, la partie où il ne faut pas rajouter d'huile, c'est celle-ci. La partie qui est bonne, c'est celle-ci. La partie où on est en niveau faible, c'est la tirette en ferraille. Donc tant que vous êtes dans la zone là, tout va bien. Quand vous êtes là, vous êtes au maximum. Il ne faudra surtout pas en rajouter. Voilà les amis, donc je vous conseille 10 litres. Du coup, vous pouvez mettre 10 litres intégralement. Ça y va sans aucun problème. L'ayant pas encore fait, je me méfiais un petit peu de ce que je peux lire sur internet. Mais en tout cas, voilà, on a la bonne réponse. 10 litres, il va intégralement. Ouais bien voilà les amis, ça se termine pour cette vidange, donc petit tutoriel de vidange sur une supercar Audi R8 modèle V8. C'est exactement la même chose pour la modèle V10, sauf qu'il y a plus de bouchons de vidange au niveau du carter. Si je dis pas de bêtises, il y en a 7 ou 8 au niveau du carter et toujours celui du réservoir parce que c'est également un carter sec. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider certains à entretenir leur supercar parce que vous l'avez vu dans cette vidéo là.
Et bah malheureusement j'aime pas dire ça, mais on peut pas avoir totalement confiance dans les concessionnaires. Vous l'avez vu, le véhicule, je pourrais le montrer pour ceux qui sont sceptiques, a été entretenu totalement chez Audi Porsche en Allemagne. Elle a eu tous les carnets des révisions. Et pourtant vous avez vu comment ça a été fait, de la pâte à joints partout. On change pas les joints, on démonte les bouchons au burin parce qu'on n'a pas les bons outils. C'est quand même bien dommage de faire un tel travail sur une telle voiture et de facturer une telle prestation. Donc encore une fois, voilà, à partir du moment où vous savez que c'est bien fait et que vous utilisez les bonnes huiles, etc., je ne pense pas que ça perde à la revente du véhicule, parce que quand c'est bien fait par soi-même, ça vaut peut-être une vidange en concessionnaire, fa la va vite. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'intégration de ce petit test produit avec de l'huile blanche vous a plu également. J'évite d'être trop rébarbatif du coup avec des vidéos test produits et j'essaie au maximum de les intégrer dans des vidéos tutoriels. Je vous ferai une vidéo d'ici 2000-2500 km, vraiment retour sur le test produit, parce que là pour le moment c'est vraiment une nouveauté pour moi, je ne connais pas et je ne veux pas tout simplement m'avancer. Les amis, j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que l'intégration du test produit vous a plu et on se reverra très prochainement pour de nouvelles vidéos sur cette Audi R8. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous partage un petit peu le quotidien du garage avec des petites stories, des petits posts que vous ne voyez pas sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à gauche pour recevoir une notification pour les futures vidéos, que ce soit sur la R8, sur la nouvelle voiture de madame ou bien la restauration de cette R5 Alpine Turbo ETA Collection. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.